Vous êtes de gauche et de droite. En d'autres termes, vous êtes des bilatériens. Bilatérien, ça vient du latin bi, deux, et latéris, flanc ou côté, donc littéralement deux côtés. Les bilatériens, ce sont donc des animaux qui ont hérité d'une anatomie avec deux côtés du corps, un côté gauche et un côté droit. Donc une souris, c'est un bilatérien, mais aussi un criquet ou un poisson. On dit qu'ils ont un plan de symétrie bilatéral. Un plan, c'est défini par deux axes. Et ici, on voit qu'il y a un axe avant-arrière et un axe dos-ventre. En biologie, on parle d'axe antéro-postérieur et dorso-ventral. Et il faut faire attention quand on parle de ces axes et de bien les qualifier d'axes de polarité et non d'axes de symétrie. Un axe de polarité, ça définit deux pôles comme dans une pile, où il y a un axe entre le pôle positif et le pôle négatif. Donc l'axe de polarité dorso-ventral, c'est entre le pôle dos et le pôle ventre. Et l'axe de polarité antéro-postérieur, c'est entre le pôle antérieur et postérieur. C'est là où il faut faire gaffe. Parce que si vous aviez un axe de symétrie antéro-postérieur, ça pourrait vouloir dire que vous avez la tête dans le cul.